Bonjour, je me présente Karl, préparateur physique chez Private Coach. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien s'asseoir au bureau pour éviter d'avoir des tensions au niveau de la nuque, c'est-à-dire des trapèzes. Alors, première chose, il faut éviter de venir ici complètement s'avachir au niveau du dos, c'est-à-dire de laisser partir les épaules vers l'avant et d'arrondir le bas du dos. Donc pour cela, on se redresse, on tire les épaules légèrement vers l'arrière et surtout, on abaisse les épaules, ici. Alors, pourquoi avoir l'épaule baissée? Tout simplement parce que lorsqu'elle est montée, nous avons les trapèzes qui sont contractés et c'est ce qui met des tensions et des douleurs. Donc si vous avez des tensions au niveau du cou, pensez à avoir une chaise ajustable en hauteur, tout simplement pour toujours la même raison, pour baisser l'épaule. Alors, il faut ici, quand on est positionné, avoir déjà le clavier assez proche de soi et non pas devant pour éviter de s'avachir. Donc le clavier, on le rapproche et ici, l'épaule doit être en position basse, coude à 90 degrés et les mains posées sur le clavier. Si ce n'est pas la bonne hauteur, on a juste à la régler avec l'ajustement de la chaise. Si malgré ces quelques conseils, vous avez toujours des tensions au niveau du cou, je vais vous donner quelques exercices à faire, des exercices d'étirement permettant de relâcher ces zones. Alors, premier exercice, nous allons simplement relâcher le bras sur le côté, tirer la main vers le sol pour vraiment venir abaisser au maximum l'épaule. Avec l'autre main, nous allons la placer sur le côté de la tête et pencher. Le but étant de créer une opposition entre cette épaule qui descend et ma tête qui s'incline sur le côté. Donc dans cette position, nous allons simplement sentir une tension sur le côté du cou, ici, qui descend jusqu'à l'épaule. Donc deuxième exercice, de cette position, nous allons simplement abaisser la tête légèrement vers l'avant, tout en la gardant inclinée sur le côté. Et la tension musculaire va venir se déplacer sur l'arrière du cou et la côté gauche, ici. Troisième exercice, nous allons simplement placer les deux mains derrière la tête et exercer une très légère pression sur le dessus de la tête pour venir incliner le cou et le haut du dos très légèrement. Ici, on enroule et nous allons donc sentir une sensation d'étirement sur toute la face postérieure du cou et qui descend un petit peu sur le bas des vertèbres cervicales. Et bien voilà, maintenant vous savez comment détendre le cou et surtout comment vous positionner au bureau sur votre chaise. N'oubliez pas que vous pouvez faire ces exercices chez vous comme au bureau.